Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va voir comment voyager seul quand on a peur de partir, comment faire. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, j'ai invité Caroline qui va nous partager son expérience sur la chaîne YouTube. Elle va nous expliquer un peu son parcours, elle va vous expliquer tout son profil, son profil atypique de voyageuse. Et surtout, elle va nous dire qu'en fait, avant de partir, elle avait peur. Et voilà, je vais vous laisser découvrir tout ça. Donc, Caroline, merci d'être sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Bah, merci à toi de m'inviter et de me permettre de raconter cette histoire. Mais c'est génial, les histoires de voyage, c'est toujours tellement inspirant. Enfin, je ne sais pas comment vous qui regardez la vidéo, vous le sentez, mais moi, j'aime toujours regarder parce que c'est toujours des profils et des histoires différentes. Enfin, voilà, ça donne tout, moi, ça me donne le feu. Et de voir en plus des nanas, voilà, qui osent partir à l'aventure, vivre des trucs incroyables. Donc, voilà, c'est super cool qu'on puisse faire cette vidéo. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien, sur la petite cloche juste en dessous pour recevoir toutes les vidéos en avant-première. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la première fois qu'on fait une vidéo sur cette thématique. Donc, voilà, je suis hyper enthousiaste de faire ça. Donc, Caroline, c'est top. Caroline, dis-nous un peu, mais qui es-tu? Voilà, dis-nous déjà, dis-nous un peu, qui es-tu? Alors, qui je suis? Alors aujourd'hui, je suis professeure de yoga dans le cadre de mon métier. Je viens de rentrer d'un long voyage ou d'une longue période de voyage, puisque je voyage depuis 7 ans. Avant de partir en voyage, je vivais aux États-Unis, donc ça fait 10 ans que je vis à l'étranger. Et aux États-Unis, j'étais professeure des écoles et c'est mon métier à l'origine. Donc, j'étais professeure des écoles avant de partir aux États-Unis. Et puis, depuis que je voyage, j'ai aussi monté un blog de voyage, donc voilà, où je raconte un peu mes expériences de voyage et beaucoup aussi d'expériences qui sont liées au bien-être, puisque moi, c'était aussi l'objectif de mon voyage, c'était de trouver des choses qui me faisaient du bien et de me permettre de me construire dans ce voyage avec tout un tas d'expériences qui sont liées. Voilà, c'était pas le but au départ, mais il s'est trouvé qu'il y avait quand même une trame à travers tous mes voyages qui a été cette quête de bien-être personnel. Voilà. D'accord, donc ça c'était ton fil rouge en fait, la recherche du bien-être dans ton voyage. Ouais, c'était moi. J'avais voilà, je recherchais ça pour moi. J'avais besoin de choses qui me d'expériences, ouais, qui allaient me faire du bien, qui me permettaient aussi de me retrouver, qui me permettaient voilà, me recentrer sur moi. Je ne l'ai pas cherché consciemment au tout début, mais en fait, au fur et à mesure que le voyage s'est déroulé, c'est l'angle que ça a pris naturellement, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on disait juste avant de démarrer l'interview, c'est que souvent dans les voyages, il y a des choses qu'on n'a pas conscientisées. On va avoir des envies, on va avoir envie de partir, mais on ne sait pas pourquoi. Il va y avoir un blocage. Et c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'ai oublié de le dire au début, c'est que je vois souvent dans mon programme Marathon d'anglais, donc le programme pour parler anglais en 6 mois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, de filles, enfin peu importe l'âge, des personnes qui veulent partir, mais qui bloquent, elles ont peur de partir parce que voilà, il y a quelque chose, il y a des peurs, que ce soit lié à la langue, à la barrière de la langue ou sans doute à d'autres choses qui sont pas conscientisées. Et toi, tu nous dis qu'en fait, ça a été justement l'inverse, c'est qu'il y a un truc qui t'a poussé à le faire, bien que tu avais peur au début de partir. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce qui te faisait peur au début et comment t'as fait du coup pour surmonter cette peur? Alors moi, si tu veux, la peur, je l'ai identifiée avant ce grand départ. Comme je te disais, déjà, je vivais aux États-Unis. Donc moi, je suis quand même partie vivre déjà aux États-Unis. J'ai dû prendre la décision en 2 heures et je parlais pas un mot d'anglais. Donc j'avais déjà dépassé ce cap de la peur de ne pas parler une langue dans un pays où j'allais m'installer 2 mois plus tard. Donc voilà. Mais en revanche, je suis quelqu'un de très anxieux, peureux de nature.
Donc, bah, les peurs, elles sont multiples, hein. Les peurs, ça peut être aussi, moi, j'avais tout simplement peur en voyage de me faire attaquer, peut-être de me sentir aussi. Alors, je suis solitaire, mais en revanche, là, être solitaire et être entouré de ses amis, de sa famille, de son environnement, c'est une chose. Mais être solitaire sans savoir ce qu'on va avoir comme bouée autour, c'est autre chose. Quand on n'a plus rien et qu'on lâche tout, je me posais des questions. Est-ce que voilà, est-ce que j'allais bien vivre ça? Et puis, tout simplement, des questions bêtes, mais oui, enfin, c'était aussi une forme de peur de l'inconnu, c'est-à-dire ne pas savoir ce qui allait m'arriver ou des choses comme ça. Mais en fait, à ce moment-là, quand je suis partie en voyage, j'avais déjà fait pas mal de chemin. Bon, moi, quand je suis partie, j'avais 32 ans, donc j'étais pas non plus toute jeune. Je me posais plus de questions quand j'avais 19, 20 ans. Les premières fois, justement, moi, j'ai fait des études de géographie où je devais partir en Inde. Par exemple, je suis jamais partie à l'époque parce que ça me faisait un peu peur de partir seule et que je devais partir au départ avec une copine et que ça s'était plus fait. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Mais arrivé à ce moment-là dans ma vie, j'avais des appréhensions. J'avais surtout peur du changement de vie. J'avais peur de lâcher mon boulot. J'avais peur de perdre mon salaire. J'avais peur du regard de mes proches, de les décevoir. Intéressant ce que tu dis. En fait, j'avais plus peur du changement de vie que du voyage en lui-même. Et après, bah, au niveau de la langue, j'avais pas trop d'appréhension parce qu'à ce moment-là, ça faisait 3 ans que je vivais aux États-Unis et j'ai fini par parler anglais, même si ça m'a pris très longtemps parce que je me pousse pas trop, hein. Moi, j'apprends quand il y a une nécessité d'apprendre. On reviendra sur ce sujet-là, justement, juste après. Donc voilà, mais après je me suis retrouvée, un de mes premiers stops, ça a été l'Amérique du Sud où je suis restée 6 mois. Je parlais pas trop l'espagnol, j'en avais fait un an en terminale, voilà, j'avais vagues souvenirs, mais pas, voilà, je maîtrisais pas du tout l'espagnol. Et en Amérique du Sud, bah, il y a des gens qui parlent un peu anglais, mais un peu comme en France, c'est-à-dire pas tant que ça. Un petit Donc peu comme ça. c'est mieux de parler espagnol. Donc voilà, donc par exemple là je parlais pas la langue et puis il a fallu que je me débrouille et que je m'y mette, quoi, en fait, hein. Donc Ok. Mais voilà c'est ma... hyper intéressant ce listing de peurs que tu as parce que, comme tu dis, et j'ai adoré cette phrase que tu as dite, c'est pas tant le voyage qui me faisait peur, mais c'est le changement de vie. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est les idées qu'on se fait ou qu'on n'arrive pas, ou on essaye d'anticiper justement sur. Qu'est-ce que ça, comment ça va être? Et on se rattache un peu à notre confort actuel parce que c'est familier. Et c'est plus ça qui fait peur, c'est l'inconnu finalement. Bah, c'est beaucoup l'inconnu. Et puis, même quand on décide de partir, c'est qu'on a envie de changer quelque chose. Donc, il y a cette envie de changement. En Ouais. revanche, on sait ce qu'on laisse et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, forcément, alors, quand on part d'une situation très pourrie, on se dit que ça va être mieux. Moi, je n'avais pas une situation très pourrie. J'avais un super boulot. J'enseignais comme je te l'ai dit, j'enseignais dans une école où j'étais très appréciée, où je gagnais très bien ma vie, où j'avais 20 élèves dans ma classe hyper mignons qui n'avaient pas de problème d'apprentissage. Bon, moi, je suis professeure spécialisée dans l'éducation pour les enfants qui ont des très grandes difficultés scolaires. Donc, ce n'est pas un souci, mais je veux dire, tout était plus ou moins, me paraissait, c'était un peu le boulot parfait, quoi, que je rêvais d'avoir quand j'étais jeune. C'est-à-dire d'être à l'étranger, un bon salaire, une petite classe, pouvoir faire plein de choses. Il y avait des budgets, des parents sympas. Donc ça, je savais que j'allais laisser mon appart, voilà, j'avais ma super voiture aux États-Unis, enfin j'avais le package. Donc j'étais arrivée, voilà, à 32 ans, pour moi j'avais le package de ce que je pouvais atteindre en tant qu'enseignante. En tout cas, pour moi, c'était déjà une belle ascension. Oui. Et quand tu te dis, bah en fait, tout ça c'est cool, j'adore. Il y a des choses que j'adore dans ma vie, mais tu te rends compte que malgré tout ça, tu te sens extrêmement vide à l'intérieur, que tu n'as je perdais la passion dans mon métier. Les derniers mois, je me forçais à sourire dans mon rétroviseur le matin. Ça, c'est une image qui m'a marquée pour Wow. aller enseigner. J'avais l'impression d'aller en prison.
Je mettais plus de sens derrière ce que je faisais parce que j'avais l'impression de pas beaucoup évoluer personnellement. Et j'avais un extrême besoin de me nourrir en fait. Et du coup, psychologiquement, quand tu prends conscience de ça, tu dis bah, je fais quoi en fait? Je continue? Ou est-ce que je vis ce que j'ai envie de vivre maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Et Donc ça a est-ce qu'on t'a dit, été. excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'on t'a dit cette phrase, ouais, mais pourtant, tu avais tout pour être heureuse. On ne me disait pas ça, on me disait t'as tout pour être heureuse. T'as tout pour être heureuse, ouais. Et ça, Donc, c'est horrible. parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, bon, on en a discuté, donc ce n'est pas un secret, mais il y a eu forcément un déclencheur à ça, c'est-à-dire que tout ça, je le vivais très bien, ce qui me plaisait moins, je l'acceptais parce que je trouvais dans l'équilibre de ma vie des compensations de l'autre côté, donc je pouvais faire plein de choses que j'aimais. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, moi, ce qui a été déclencheur, ça a été une rupture. C'est-à-dire, j'avais une relation avec quelqu'un qui a décidé de mettre fin à la relation. Et j'aimais beaucoup cette vie-là dans le cadre aussi de ma relation qui faisait partie de ma vie. Bon, pas à 100%, j'étais très autonome par rapport à ça, mais en tout cas, il y avait des projections qui faisaient que voilà, j'aimais ma vie dans son entièreté. Et en fait, c'est quand cette personne m'a quittée, en fait, et c'est à ce moment-là que moi, je me suis pris de plein fouet tous les manques que j'avais à l'intérieur. Et cette sensation de vide m'est venue à ce moment-là, et je me suis dit, est-ce que ma vie, est-ce que moi, je me sens vide parce que cette personne n'est plus là, un être vous manque et tout est dépeuplé, hein. Mais après, je me suis dit, c'est pas normal que. Parce qu'une personne ne fait plus partie de ta vie, tu ne vois plus aucun intérêt à ta vie, tu ne trouves plus aucun sens à ce que tu fais, tu te sens, ouais, enfin voilà, qui est comme un. Franchement, moi j'avais l'impression d'avoir un vide abyssal sous les pieds, de m'enfoncer au fond d'une piscine. C'était l'image que j'avais. J'étais en train de couler et chaque jour je coulais un peu plus, quoi. Et je me souviens à un moment donné, ma fille, faut que tu pousses le fond, que tu remontes à la surface. Donc fais ce que tu as à faire, mais pousse, quoi. Et en fait, je sais pas, le truc qui m'est venu, je me suis dit, en fait, tu as toujours eu envie de faire le tour du monde. J'avais 17 ans, je voulais déjà faire le tour du monde. À l'époque, j'étais dans une relation depuis 7, je suis restée très jeune, très longtemps avec mes partenaires. Donc, pareil que je voulais pas quitter, lui, il voulait pas voyager. Donc, voilà, donc moi, j'attendais toujours que l'amoureux veuille venir avec moi. L'amoureux n'est jamais venu. Voilà. ça s'est pas fait comme ça. Et là, en fait, je me suis dit, bah. Quelque part, la rupture mettait fin à un rêve que j'étais en train de vivre, et qui était que j'adore. Enfin, comme je le disais au départ, j'adorais ma vie. Hein, c'est pas que j'aimais pas ma vie, mais ça mettait fin à cette espèce de petite bulle américaine. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, il n'y a qu'un moyen. Faut que tu te crées un rêve à toi et à toi toute seule, et un rêve qui sera dépendant de personne d'autre en fait. Donc personne pourra le casser. Donc C'est beau, ça. Et du coup, mon rêve à moi, bah, c'est que je pouvais faire toute seule. Par exemple, au-delà de construire une famille, ou dans ma tête, en tout cas, moi, il faut être deux, mais ça, c'est personnel. C'était le deuxième truc sur ma liste, voyager, faire le tour du monde, rencontrer des gens, m'imprégner de choses, de cultures différentes, voir la vie ailleurs, d'être libre, d'avoir tout mon temps. Je rêvais de vivre au rythme de mon corps, au rythme de mes envies. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir. Je vis comme tous les gens. Quand je travaillais à l'école, je me levais le matin et j'essayais de me coucher le soir, mais je suis insomniaque, donc je dormais des fois très très tard. Donc c'est très coûteux pour moi, ce mode de vie. Et en fait, je rêvais de vivre à mon rythme en fait. Et c'est ce que m'a permis aussi le voyage, et c'est aussi pour ça que j'ai aimé énormément cette expérience, qui a été une des plus belles expériences de ma vie, si ce n'est aujourd'hui encore la. Ma première année de voyage, vraiment, je la ressentais comme la plus belle année de ma vie. C'était pour moi Mais presque une renaissance. Hein. C'était presque une renaissance. C'est ça. Excuse-moi, mais c'est vrai, là, je suis obligée de rebondir quand j'entends les mots liberté, rêve. C'est vraiment ce que tu trouves, en fait, quand tu pars en voyage. Alors oui, peut-être que, comme on disait tout à l'heure, on va en parler aussi, c'est que le déclencheur pour partir comme ça, tout plaquer et partir en voyage, aller chercher des choses, c'est comme on disait, c'est tu vas en quête, tu vas chercher quelque chose. C'est pas forcément bien au moment où tu veux partir. Il y a quelque chose que tu as soit conscientisé, soit pas encore. Et une fois que tu es à l'étranger,
là, tu te retrouves, il n'y a plus de routine, il n'y a plus de modèle sociétal, tu t'écoutes. Et c'est là où, en fait, le fait de s'écouter, de vivre un peu à l'intuition, d'aller visiter un endroit, ah non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, de dormir peut-être un peu plus, d'être beaucoup plus dans le bien-être, eh bien, c'est le meilleur moment, en fait, pour se retrouver soi. Et en fait, c'est quand tu pars seul comme ça, non seulement tu pars à la rencontre de toi-même, parce qu'en plus, tu fais énormément de rencontres, et ça te permet aussi, au travers des autres, de découvrir toi. Et ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'imagine que c'est un truc que tu as dû vivre quand tu étais... Complètement, puis dès le début, enfin, si tu veux, comme tu dis, chaque voyageur ou non-voyageur, d'ailleurs, mais chaque personne que tu rencontres est un miroir, hein. De toute façon, on se renvoie tous des choses. Et moi, j'ai eu notamment une personne qui m'a énormément marquée au tout début de mon voyage. Et tu vois, quand on connaît la suite, c'est spécial, mais... si tu veux, mon premier pays, j'avais choisi d'aller au Canada, donc sachant que je vais aux États-Unis, c'était pas ouf, hein, c'était très alors, il parlait français et c'était un mode de vie américain, donc pour moi c'était juste faire le pas de partir, en fait. J'avais pris un pays dans un pays où je trouvais ça facile, un petit pas pour déclencher, quoi. Exactement. Et j'ai acheté tous mes billets les uns après les autres, parce que je savais pas ce que j'avais envie, je savais pas combien de temps je voulais partir, je savais pas où je voulais aller. Je voulais aller en Asie, j'en rêvais depuis longtemps, mais j'avais ma meilleure amie de l'époque qui était en Argentine, et on ne s'était pas vu depuis 4 ans, je voulais absolument la voir, mais voilà. Et donc, du coup, j'arrive au Canada et je profite de tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire je m'en voulais un petit peu parce que je n'avais pas trop envie de visiter. En plus, c'était l'époque des vacances scolaires, donc j'avais toute l'année dans les pattes et forcément, t'es fatiguée, quoi. Et je m'en voulais parce que moi, j'avais envie de me reposer, j'avais envie de balader dans des parcs, d'aller à la piscine, d'aller boire des cafés, des lattés dans des petits bars sympas, sur des chaises en bois au soleil, enfin voilà, mais pas du tout, je me suis pas tapé des visites à gogo, quoi. Et à un moment donné, j'ai décidé de prendre le bus quand même et d'aller à Québec. J'étais à Montréal. Et à Québec, donc, j'arrive dans une auberge jeunesse et je rencontre cette fille, Jerry. Et c'était une Australienne qui était bien plus jeune que moi. Pas beaucoup, peut-être pas tant que ça. Enfin, elle avait plus la vingtaine. Elle avait peut-être 25 ans. Et elle, en fait, donc on commence à discuter. Et là, elle me dit, moi, en fait, je voyage depuis 3 ans. Donc ça me paraissait ouf. Je dis, tu voyages depuis 3 ans Je lui dis, mais comment tu fais financièrement pour voyager? Elle me dit, en fait, moi, je suis australienne, j'étais architecte en Australie, enfin, ingénieure architecte dans un domaine particulier. J'ai mis de l'argent de côté, elle avait mis 70 000 dollars de côté, et elle me dit, voilà, je consacre cet argent-là au voyage. Et je lui dis, et là, elle m'a mis des paillettes dans les yeux. Moi, ça faisait même pas un mois que j'étais partie. Alors, moi, j'avais un plan de partir 6 mois, peut-être 1 an. Je m'étais dit, de toute façon, quand t'en as marre, tu rentres. Tu vois, je m'étais pas mis de deadline. Voilà, je me suis dit, tu rentres chez toi quand t'en as marre. Et cette fille, elle me raconte ça. Et puis, en plus, dans les trucs que j'avais entendus ou les gens que j'avais vus, les gens, ils voyagent, ils font le tour du monde dans l'ordre. Enfin, je veux dire, ils tournent en rond parce que ça coûte moins cher. Non, elle me dit, là, j'ai ma cousine qui est à Londres, donc là, je la rejoins, mais après, je reviens en Amérique du Sud. Donc, j'ai appelé son voyage parcours d'étoiles, quoi. Elle n'avait pas de logique, elle allait là où le vent l'a portée. Si elle avait quelqu'un qui voulait voir, à payer son billet, elle avait. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, je suis restée en contact. Je l'ai revue. On s'est croisés. On s'est croisés de loin. Mais elle continue de voyager. Elle est revenue chez elle et puis elle est repartie après en voyage. Donc, voilà. Mais moi, cette fille, déjà, tu vois, dès le début, m'a fait réaliser déjà que ce que j'avais projeté, en fait, elle était encore un step supérieur, quoi. Enfin, elle avait une vision qui était plus loin que la mienne, enfin, une réalité qui était déjà plus loin que la mienne. Et ce qui est paradoxal, c'est que finalement, moi, j'ai réussi à voyager 7 ans alors que je ne pensais pas du tout pouvoir le faire au moment où j'ai rencontré cette fille-là, quoi. Mais c'est ça qui est merveilleux, parce que si tu t'étais fait le plan en disant « Allez, je pars 7 ans », tu aurais sans doute vécu ton voyage complètement différemment. Alors que là, le fait de te laisser porter comme ça et justement le fait de se laisser rencontrer des personnes comme ça, ça t'inspire et ça. Enfin, moi, c'est ce que je dis tout le temps, les voyages. Un voyage, c'est quoi? C'est les rencontres que tu fais.
Comme tu dis, aller juste courir partout pour visiter et en mode touriste, moi, ça me parle pas du tout non plus. Pour ramener tes photos chez toi que tu as dans le magazine Géo, j'ai envie de dire, pars pas de chez toi. Achète-toi un Géo, ça va te coûter moins cher, quoi. Non, mais de toute façon, c'est la grosse différence que je fais parce que j'avais plein de copines qui disaient « Ah, mais t'es tout le temps en vacances. » Et je disais « Attention, voyage et vacances, c'est pas tout à fait pareil. » Déjà, le confort n'est pas le même. En général, tu as plus de confort en vacances qu'en voyage. Et puis, en voyage, c'est ton quotidien. Donc, c'est-à-dire que, comme on dit, tu n'as pas de routine, tu es libre de tout, tu vas où tu veux, quand tu veux, etc. Mais la grande liberté, on le voit, moi qui suis dans l'éducation avec les enfants, trop de liberté perd aussi un peu les gens. Donc, il faut se recréer un cadre. Et quel est mon cadre? Et là, c'est tout le cheminement aussi. C'est quel cadre j'ai envie d'avoir, dans lequel je me sens bien, qu'est-ce qui me correspond. Donc, moi, au départ, je me suis laissée flotter beaucoup. Et puis, en fait, après, à un moment donné, je me suis dit, non, là, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, ça a été, comme tu dis, grâce aux rencontres. Et puis, j'ai pris le temps de me poser la question, qu'est-ce qui me fait envie dans ce voyage? Qu'est-ce que ça me permet? Donc, moi, ça me permettait, voilà, comme je te disais, beaucoup de temps, beaucoup de liberté, de vivre à mon rythme et du coup, pas me forcer à non plus dire je vais faire ça parce que les gens savent que je suis en voyage, qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce que je dois dire que je fais. Des fois, je faisais rien. Enfin, dès le début, d'ailleurs, je me suis dit, moi, j'ai envie de me garder des dimanches, c'est-à-dire des jours où je fais rien. J'étais en plus en train encore de réparer ma rupture. Hein. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc, moi, mon premier mois de voyage, je pleurais tous les jours. Je pleurais beaucoup. Et je me suis tapé des journées à regarder les rediffusions je me rappelle, de L'Amour est dans le Pré, que je n'avais pas vu, c'était en français. À l'époque, c'est ça qui passait. Ça, je ne sais pas si ça m'arrangeait, mais bon, bref, ça me faisait rire au moins. Et voilà, si tu veux, ce n'était pas du tout, comme je dis, j'ai jamais vraiment cherché à rentabiliser mon voyage. Non, mais c'est hyper intéressant que tu partages ces anecdotes avec nous parce que c'est, comme tu dis, de l'extérieur, on nous dit, mais c'est genre le rêve, tu t'es tout le temps en vacances, etc. Mais en fait, quand on se rend compte de l'autre côté et qu'on est en voyage et pas en vacances, comme tu dis, c'est beaucoup moins rose parce que souvent, y a un côté cathartique à ce voyage et on va chercher quelque chose. Et le fait de, quand tu dis, j'ai pleuré pendant un mois, le premier, je me retrouve tellement dans ce que tu dis. Moi, à chaque fois que je pars en voyage, je me mets à pleurer. Et parce que tu as quelque chose à soigner, en fait, à prendre le temps justement de le faire. Et c'est parce que tu prends du temps pour toi que tu laisses de l'espace et que tu arrêtes d'être dans la routine à courir partout dans notre société aujourd'hui, eh bien, c'est là où tout se remet en place, en fait. Et en soi, en ça, les voyages, il n'y a pas mieux, quoi. Mais après, tu vois, justement, moi, j'ai rencontré donc, d'autres styles de voyageurs et j'ai remarqué, surtout chez les hommes. Alors, chez les femmes, c'est souvent ce cheminement-là, mais ce n'est pas une généralité, il ne faut pas tout généraliser, mais... Chez les hommes, c'était souvent un peu des défis qui s'étaient mis dans la vie. C'est-à-dire, à l'inverse, moi, j'ai rencontré quelqu'un, alors pas tous non plus, hein, mais j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'ai voyagé pendant 2 mois. Et lui, il fallait qu'il ait fait tous les sommets du monde. Déjà, j'avais fait plus de pays que lui. Donc, un de ses objectifs, c'est devenu dépasser le nombre de pays dans lequel j'avais voyagé, toi, c'était un peu, voilà. Après, il fallait faire du saut en parachute, que des trucs extrêmes, aller nager avec des requins blancs dans des cages, truc que moi, c'est pas du tout mon kiff. Hein. Mais si tu veux, c'est chacun. Enfin, après, je dis ça comme ça, c'est vrai que ça fait un peu, mais moi, ça n'a jamais été mon truc, en fait. Il y en a, ils sont quand même à la course des expériences. Non pas insolite, c'est même pas insolite parce que je veux dire, il suffit de payer pour le faire, quoi. Mais moi, ce que j'appelle insolite, c'est me retrouver quelque part d'inattendu avec quelqu'un d'inattendu dans un lieu où jamais j'aurais pensé pouvoir m'imaginer, même en payant, quoi. Et ça, pour moi, c'est insolite. J'adore. Mais je suis tellement alignée avec ce que tu es en train de dire, mais c'est tellement ça. C'est l'imprévu, en fait, qui te crée ce genre de moment. Et comme tu dis, des fois, c'est juste un petit coucher de soleil inattendu pour juste donner cette image. Parce que moi, c'est toujours, de manière générale, un gros kiff de voyage. Mais c'est vrai, juste un moment que tu ressens et t'es là, t'as rien, t'es juste assis sur la plage, t'as limite tes fringues, ton short que tu mets depuis des mois troué, t'en peux plus de ce short. Mais t'es juste là et t'es bien et c'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur, en fait. Et justement, prendre le temps de ressentir, mais de ressentir vraiment, c'est-à-dire de, entre guillemets, t'as que ça à faire dans tes journées. Te laver, manger, dormir,
et ressentir ce que tu vis et vivre. Vivre. Vivre, mais c'est ça. Et moi, c'est des années où j'ai eu l'impression vraiment de vivre ma vie pleinement. Et bon, alors aujourd'hui, bah, il se trouve que j'enseigne le yoga, donc la pratique de la pleine conscience, le moment présent, etc. Ça fait partie de mon univers. Ça va peut-être avec un peu l'image de prof de yoga, mais avant de venir au yoga, c'est devenu, en fait, toutes ces prises de conscience-là, elles ont été faites dans mon expérience de voyage. C'est-à-dire que le quotidien te prend plein fouet parce que quand tu n'es pas occupé, peut-être par un travail, par exemple, par des enfants, par une famille, par les problèmes des autres, tu es occupé par ton être et ton intérieur, par ce que tu ressens, tu es connecté à tes sens. Par moi, le voyage, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce qui me fait du bien. Et voilà, et comme toi, moi, le coucher de soleil, c'est un moment privilégié, je suis fan. J'adore les levers de soleil, mais je suis rarement réveillée, donc j'en rate beaucoup plus. Mais j'en ai vu beaucoup plus quand j'étais en Polynésie, parce qu'en fait, en Polynésie, bizarrement, je me dis que je dois avoir dans le sang quelque chose de l'hémisphère sud. J'arrive à me lever tôt, donc j'arrivais à me lever plus tôt. Pas aussi tôt que les Polynésiens à 5h du matin, mais à 6h, 6h30, c'était bon, quoi. Donc voilà, mais effectivement... Moi, en tout cas, ça a été ce type de voyage que j'avais envie de faire, c'est-à-dire un voyage un peu initiatique, une quête personnelle, mais encore une fois, ce n'était pas anticipé. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on s'en rend compte pendant le voyage, en fait. C'est ça. Parce que quand on cherche absolument à vouloir tout maîtriser avant de partir, c'est souvent ça, en fait, qui bloque. Et c'est pour ça, le thème de la vidéo, là, c'est voyager seul quand on a peur de partir. Finalement, le plus difficile, c'est simplement le premier pas et de réussir à lâcher prise là-dessus et se dire exactement. Ok, parce que en plus, ce que tu disais tout à l'heure, toi, c'était un rêve depuis tes 17 ans, tu ne l'avais pas encore fait, tu savais que c'était dans un coin de ta tête, tu savais que tu le ferais, mais pas encore quand. Bah, je commençais même à me dire peut-être pas, parce que tu vois, une fois qu'après tu as commencé à travailler, bah, tu es pris dans ton système de travail. Enfin, tu vois, moi, ça m'a demandé justement, bah, déjà, il a fallu que je demande l'autorisation d'avoir une disponibilité, ou alors fallait. J'ai démissionné par contre de mon école aux États-Unis puisque j'étais en fin de contrat. Donc, je n'ai pas renouvelé mon contrat. Donc, ça demande quand même de laisser des choses. Oui. Et moi, je ne m'étais jamais dit, si tu veux, après quand j'ai commencé à travailler, tout ça. Bon, déjà, je ne m'étais jamais dit que je partirais travailler aux États-Unis. Tu vois, c'est pareil, ça s'est présenté. Donc, mais oui, d'ailleurs, raconte-nous cette histoire-là. Tu as ouvert une boucle tout à l'heure en nous disant j'ai dû partir en 2 heures comme ça, sans parler anglais. Pas 2 heures, mais j'ai dû prendre la décision en 2 heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quand même... Donc, j'avais mon ami qui vivait à New York. Donc, on faisait des allers-retours depuis 2 ans. Enfin, surtout moi, d'ailleurs, à l'époque. Mais en même temps, c'était plus sympa d'aller se retrouver à New York. Pour moi, c'était plus exotique, donc je préférais. Et en fait, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, avec qui on était en classe au lycée, donc lui qui avait fait ses études aux États-Unis, donc voilà. Et donc, suite à ça, moi, j'ai dit, bon, ben voilà, maintenant, j'en ai marre de vivre comme ça, donc je cherchais un poste aux États-Unis. Et tout le monde m'a dit, par contre, là, tu n'y arriveras jamais, c'est que les pistonnés, faut passer, alors avec l'éducation nationale, on a ce qu'on appelle l'AEFE ou les missions laïques, etc. Et donc, il faut mettre son dossier sur le haut de la pile, enfin voilà, bon, bref. Et donc du coup, bah, j'ai dit bon, bah, peut-être que ça marchera pas, mais de toute façon, si j'essaye pas, ça marchera pas. Donc du coup, j'ai fait des lettres de motivation. J'ai pas fait la demande officielle. J'ai fait que des demandes directement aux écoles, en fait. Hein. J'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. J'ai eu seulement sur la vingtaine d'écoles que j'ai contactées sur la côte Est, 2 entretiens. Sur les 2, il y en a une qui m'a dit qu'elle allait me prendre à Princeton à l'époque. Et puis finalement, le contrat n'arrivait jamais. Donc au bout de 2 mois, je lui dis ouais, sur un entretien, c'était en mars, on était fin avril. Je lui dis bah, je la rappelle, je lui dis il y a un problème. Elle me dit bah, écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais la personne qui devait partir finalement n'a pas eu son visa. Donc enfin, il y a beaucoup d'histoires de visa aux États-Unis. Hein. Donc elle était restée en poste. Donc le poste n'était plus libre. Donc j'avais rien. Et en fait, fin du mois d'avril, je reçois un mail d'une école à Washington et qui me dit, bah voilà, est-ce que tu veux faire un entretien téléphonique? On recherche un enseignant.
Donc, au départ, je dis oui, j'en parle à mon copain qui me dit non, mais Caro, c'est pas Washington DC, c'est Washington State, c'est à l'autre bout des États-Unis, c'est à 15 000 bornes de New York en fait. Et, je dis, ben, et donc, je dis ouais, bon, je laisse tomber, donc je leur dis non. Et cette personne insiste en me disant ouais, mais on aimerait quand même bien s'entretenir avec toi. C'était la personne de Princeton qui avait donné mon dossier en fait. Et du coup, je leur dis bon, ok, on s'appelle. Et donc, on a eu un entretien. Pendant 2 heures, l'entretien, elle me dit c'est oui ou c'est non. Et il fallait partir en juillet. Donc, on était fin avril. Moi, j'avais mon appart, il fallait que je le mette en location. Enfin, il y avait plein de choses enfin, il fallait faire les visas, il fallait aller à l'ambassade. Enfin, les États-Unis, c'est pas tout simple. Et puis, en plus, comme je parlais pas un mot d'anglais, tous les trucs sont en anglais, hein, bien sûr. Donc, ça prend un petit peu de temps. Enfin, voilà. Et du coup, je lui ai dit c'est oui. Et je suis partie. Justement, je parlais pas un mot d'anglais. Je lui ai dit bah, c'est important si je parle pas anglais. Elle me dit non, non, t'inquiète. Bon, ça, c'était un peu. un peu. Mais bon, tu vois, bon, elle m'a dit t'inquiète, je suis partie. Final, j'ai appris sur le tas, tu vois. Enfin, voilà, je parlais quand je dis pas un mot, pas un mot. C'est-à-dire qu'on me demandait mon prénom, personne ne me comprenait quand je disais my name is. Donc, je parlais très, très mal. Et donc, malgré tout ça, malgré qu'on te dise, mais non, c'est impossible, tu ne trouveras pas, tu n'y arriveras pas, etc., et tu pars sans parler un mot d'anglais, et finalement, comment ça s'est passé? Tu as survécu, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est que. Bah, Ouais. c'était un peu le parcours du combattant, mais ça s'est fait, tu vois, au final. Les visas, tout ça, ça s'est fait. Je suis partie, j'étais accueillie dans. Alors, ça, c'est l'école qui met en place, mais dans une famille de l'école. Bon, il y en a qui restent très peu de temps. Moi, je suis restée quand même un mois chez eux, mais j'avais l'impression d'avoir 12 ans pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que du coup, comme je ne parlais pas du tout, enfin, c'est eux qui m'aidaient dans toutes les démarches, trouver un appart, acheter une voiture, les assurances. J'étais vraiment assistée au début, mais donc ça m'a donné un coup de pouce. Et puis après, bon, à l'école, on parlait essentiellement français, mais les réunions étaient parfois en anglais, vu qu'il y a la moitié des profs qui étaient anglophones. La plupart parlaient français, mais cette année-là, sauf une, donc les réunions passaient en anglais. Donc je me faisais traduire par mes collègues toute la réunion. Enfin, ouais, au début, c'était un peu le parcours du combattant, mais en même temps, j'adorais aussi découvrir ma nouvelle vie. Enfin, il y avait d'autres choses. Et puis, en fait, ce que j'avais dit à mon copain, comme il avait dit, oh, bah, tu vas partir là, mais on va être toujours à 15 000 bornes. Et je lui dis, mais quitte à t'attendre, je préfère attendre en vivant un de mes rêves, c'était d'enseigner à l'étranger. Et je préfère être là et découvrir autre chose. Puis, en fait, au final, on s'est beaucoup vus parce que finalement, on avait une grande flexibilité de voyager dans le pays, tant au niveau des différences horaires, tant au niveau des coûts parce que ça coûtait moins cher. Lui, finalement, pouvait être un peu où il voulait, donc c'était plus simple. Donc, non, ça a été une bonne décision. Et voilà, comme tu dis, tout le monde m'a dit que, et finalement, ça s'est fait. Mais j'adore toujours insister sur ce genre de phrase parce qu'on a toujours, toujours, toujours des gens, que ce soit dans notre entourage proche ou plus éloigné, qui nous disent « Mais non, mais tu n'y arriveras pas, c'est impossible. » Toujours des gens qui nous tirent vers le bas. Alors, ce n'est pas forcément la mauvaise intention. C'est simplement que bah, ce n'est pas des schémas classiques. Donc, on croit que ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que j'adore que tu racontes cette histoire parce que c'est bien sûr, si vous voulez faire quelque chose, alors oui, ça n'a pas été simple. Et c'est bien aussi que tu nous décrives un peu tout ça, que bah oui, il y a eu des galères administratives, ça n'a pas été simple tous les jours, tu as pleuré, enfin voilà, après c'est dans un autre contexte, mais Même c'est. en voyage, hein, j'ai eu des galères au début, j'ai eu beaucoup de galères, hein. Enfin, C'est ça, mais on s'en sort toujours au final. Alors oui, il faut pas les anticiper parce que sinon tu fais rien de ta vie, mais au final c'est ça qui te rend. Alors, il y a des choses que tu peux un petit peu anticiper quand tu es. Parce que moi, je suis vraiment partie à la one again. Hein. Moi, comme je disais à la base, voyager à l'arrache, c'était un peu mon créneau, quoi. Enfin, pour le coup, j'avais tout ce qu'il faut pas. J'étais partie avec un sac à dos énorme. Et quand je dis énorme, en fait, je m'étais dit, comme je déménageais à l'époque, plus il va être gros, plus je pourrais emmener de trucs. Ouais, ça c'est l'erreur du débutant, tu vois. Mais Parce que en fait, c'est moi, hein. il faut savoir que je quittais un pays. Je Ouais. n'allais pas revenir chez moi. Donc, déjà, j'ai laissé tout mon appart sur le trottoir. Enfin, j'ai gardé 5 cartons chez des amis. Et voilà quoi. Et du coup, j'avais acheté, quand je suis allée dans le magasin, j'ai acheté le plus gros sac à dos. Et donc, le sac, quand il était plein, m'arrivait au-dessus de la tête et en bas des genoux. Je suis que 1,58 m. Donc, les gens, ils rigolaient. Hein. Ils me voyaient marcher. On aurait dit, bah, pour le coup, c'était vraiment une tortue, quoi. Et j'avais pris une valisette en plus à la main à côté. Pour pouvoir emmener, genre, alors moi j'avais, à l'époque, j'avais emmené ma trousse de bijoux, ma trousse de vernis, ma trousse, j'avais emmené plein de trucs, hein, j'allais vivre ailleurs. Bon, bref, bon, ça a été une galère, j'ai vite changé tout ça après en cours de route, mais pareil, en cours de route, j'ai changé de sac, j'ai largué la valise, enfin bon, j'ai fait tout ce que je voulais pas faire au départ, mais Mais ça, on apprend sur le chemin.
On a beaucoup, nous. Il y en a qui partent un peu mieux équipés au départ. Ouais. Moi, bon, c'est pas qu'aussi, il faut se remettre en contexte. Donc, ça, c'était il y a 10 ans, presque. Non, j'avais 35 ans, donc ouais, ça fait un peu moins. Et donc, du coup, je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas 10 000 trucs, blocs de voyage et compagnie. Hein. C'était le début, en fait. C'était vraiment le début des blogueurs voyage. Il y avait des infos, mais il n'y avait pas une mine d'informations comme il y a aujourd'hui. Moi, je suis partie à l'époque, je n'avais pas d'assurance, je ne savais même pas comment ça marchait, je ne m'étais même pas posé simplement la question. Je pensais que ma carte bleue, ça marchait, mais en fait, non, au bout de 3 mois, ta carte bleue, ça ne marche plus, quoi. Donc, de toute façon, à chaque fois que tu changes de pays, ta carte bleue, ça ne marche plus. Ça marche que quand tu achètes ton départ en France. Donc, Ah oui, d'accord, tu vois. Ouais. Ouais, donc ouais. Aujourd'hui, on a quand même, comme tu dis, avec tous les blogs, avec tous les sites sur le sujet, c'est beaucoup plus facile, en fait. Ouais, il y a beaucoup On a déjà d'infos, toute l'information, oui. Pour t'éviter des galères, il y a quand même beaucoup de trucs. Ouais. Moi, tu vois, il y a des choses. Je sais pas, je te donne un. Bah, après le Canada, je suis partie au Brésil. Moi, je rentre comme une fleur, j'achète mon billet pour le Brésil la veille, hein, parce que j'ai mis tellement de temps à me décider, comme je ne sais pas prendre de décision, que j'ai acheté la veille pour le lendemain. Je monte dans mon avion, tout ça, tout va très bien. Et là, j'avais 2 stops aux États-Unis. Donc, je partais du Canada, j'avais 2 stops, dont le dernier à Charlotte aux États-Unis, avant de partir pour le Brésil. Et là, ils n'ont pas voulu me laisser monter dans l'avion à Charlotte. L'ESTA, non? Non, en fait, alors c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est peut-être toujours le cas, les États-Unis n'ont pas d'accord avec le Brésil. Donc, en fait, pour voyager au Brésil, en partant des États-Unis, ils font un billet retour. Et je n'avais pris qu'un aller simple. Ça, c'est souvent une galère. Je n'avais pas de billet retour. Donc aujourd'hui, il existe des moyens d'avoir des billets retour que tu achètes vite flash, etc. Mais à l'époque, encore une fois, et puis là, moi, j'étais au comptoir. Donc l'avion décollait dans 15 minutes. Donc un petit peu, voilà, c'était une très grosse galère. J'ai pleuré. Ils ont retiré mon sac de la soute. Je me suis dit, putain, c'est le début de ton voyage. Tu ne pars même pas. Tu vas te retrouver. Tu es revenu aux États-Unis. C'est ça. Retour au point de départ. Et au départ, ils me disent, bah oui, bah, tu peux prendre un billet maintenant. Donc là, il y a 2 500 $. Oui, donc là, voilà. Et bon, enfin, finalement, ils m'ont aidé. J'ai acheté un billet qui m'ont permis d'être remboursable. Mais tu vois, ils auraient pu me le dire du début. C'est un gars qui a été gentil à la fin. Mais au début, ça a été vraiment… Je suis rentrée dans l'avion 2 minutes avant que ça décolle. Et je me suis fait rembourser le billet une fois arrivée au Brésil. Mais tu vois, ça, c'est des trucs que tu peux anticiper. Aujourd'hui, il y a plein de trucs pour éviter ce genre de trucs. Tu vérifies avant. En plus, ça m'est arrivé encore plus tard dans d'autres pays parce que je n'avais pas bien appris ma leçon. Donc, je ne regardais jamais ce qu'il fallait. Mais normalement, si tu regardes où tu vas, tu sais s'il faut un petit retour ou s'il faut un départ du pays, etc. pour entrer. Voilà, les histoires de visa aussi, c'est tout un truc, quoi. Mais ouais, voilà. Donc, quand tu es un peu dans ton… Voilà, comme tu dis, dans l'énergie du moment présent, c'est génial. Mais forcément, tu as des petites galères qui sont plus là que quand tu as pris un peu des renseignements avant. C'est ça. Donc, en fait, finalement, là, par rapport aux galères que tu as subies, c'était plutôt de l'administratif, en fait. Oui, mais bon, enfin, je veux dire, quand tu te retrouves là, que tu dis que tu ne vas pas partir, que… Le monde s'écroule, quoi. Ouais, le monde s'écroule. Moi, j'avoue, après, j'ai développé des stratégies. Hein. J'avais mandaté mon père que je pouvais appeler jour et nuit, tu vois, au cas où j'étais vraiment en grosse galère. Parce qu'en plus, si tu n'as pas Internet, tu ne peux pas prendre ton billet. Là, pour le coup, il voulait que j'ai un billet papier. Donc, je ne pouvais même pas montrer une preuve d'achat, tu vois. Enfin, il voulait un truc imprimé. Donc, c'était impossible. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas partir en… Après, moi, j'ai rencontré des gens. Le voyage s'est déroulé comme sur des roulettes, ils n'ont pas été galères, quoi. Mais c'est en fait, c'est la majorité des cas. Hein. C'est juste qu'on se souvient plus facilement des galères et des trucs négatifs que quand on regarde la majorité des cas, ça se passe toujours plus ou moins bien, quoi. C'est voilà. Mais après, ça fait les voyages, ça fait les expériences. Exactement. Ça fait plein de choses à raconter. Après coup, t'en rigoles. Enfin, ça fait aussi partie du voyage, etc. Après, c'est justement tout ce que tu développes aussi en voyageant. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Bon, c'était l'une de mes qualités à la base, mais je m'en suis encore plus rendu compte. C'est qu'il faut avoir une grande capacité d'adaptation. Il faut être quand même assez instinctif. Enfin, faut. C'est pas qu'il faut, mais ça aide. Ça aide et ça aide à le devenir aussi. Ouais.
Moi, par exemple, comme je dis, j'ai du mal à prendre des décisions. Là, en voyage, j'étais obligée de prendre des décisions. J'étais obligée de prendre des décisions pour tout, même de dire où je vais dormir ce soir, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire de ma journée, à quel rythme je vais aller. C'est toi qui prends toutes les petites décisions. Je veux dire, dans ta vie au quotidien, quand tu es sédentaire, tu ne te demandes pas où tu dors le soir, tu rentres chez toi. Je veux dire, là, c'est je reste combien de temps? Est-ce que j'ai encore envie d'être là? Est-ce que j'ai envie d'aller ailleurs? Même quand c'est génial, tu te dis, bon, bah, finalement, est-ce que je laisse mourir le moment ou est-ce que je pars pendant que c'est génial? Tu vois, enfin, ça, c'est un esprit américain d'ailleurs, partir toujours avant la fin de la fête, quand c'est le moment est le plus extraordinaire. Et c'est un petit peu l'esprit que j'ai voulu garder quand j'ai fait mon voyage. Je me disais, quand est-ce que j'arrête? Quand est-ce que j'arrête? Mais sans avoir jamais envie d'arrêter. Et après, finalement, tu vois, c'est ce truc de te dire, voilà, est-ce que je pars au moment où je trouve ça génial, sans attendre que ça retombe, ou est-ce que je vais jusqu'au bout du truc? Ouais, voilà. Et c'est en ça aussi, tout à l'heure, je voulais rebondir quand tu parlais de ça, que c'est épuisant en fait un voyage, que ce n'est pas des vacances parce que justement, tu as une somme de décisions à prendre, aussi petite soit-elle, cumulée toute la journée, comme tu dis, trouver un lieu, manger, je reste là, je pars, etc. Ça demande tellement d'énergie et je me retrouve dans ton discours, c'est que moi, c'est pareil, dès que je pars en voyage, je suis épuisée parce que ben, voilà, on n'a pas cette routine qui nous empêche de prendre toutes ces décisions. Donc, c'est vrai que c'est des choses enfin, qu'on découvre sur le Ouais, voyage. en fait, ça, on s'en rend pas compte non plus. Moi, je dis là après vraiment plusieurs années, mais le corps prend beaucoup parce qu'en fait, on est en permanence, même physique, alors mentalement en adaptation, mais physiquement aussi. C'est-à-dire que ton corps s'adapte à un nouvel environnement, un nouveau style de nourriture, une nouvelle température. Même, tu vois, bon, quand tu maîtrises les langues, ton cerveau, il est tout le temps dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Donc, il faut tout le temps penser dans une autre langue, il faut t'exprimer dans une autre langue. Tu peux changer de langue en plus assez souvent, enfin, ça dépend à qui tu t'adresses. Donc, en fait, c'est d'autres zones du cerveau qui sont sollicitées, c'est d'autres capacités physiques, c'est d'autres. Donc, en fait, bien sûr que ça fait rêver, c'est génial, on vit un rêve, donc c'est une envie, et là-dessus, il y a rien à dire sur ça. En revanche, ouais, je pense que les gens de l'extérieur, en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais dans les remarques ou les réflexions que j'avais, tout est cool, quoi. Alors, oui, c'est très cool et il y a plein de moments super cool, hein, je vais pas mentir. Moi, je me suis fait des îles de ouf, j'étais dans des endroits extraordinaires. Enfin, j'ai vécu 6 mois en Polynésie, j'y suis retournée encore 3 semaines. Il y a des gens qui rêvent d'y aller une semaine dans leur vie et qui n'iront peut-être jamais. Je veux dire, je me rends compte que, ouais, il y a plein de trucs qui sont magiques. Enfin, au-delà des, c'est vraiment ça, c'est le mot. Mais derrière, il y a aussi, faut accepter les contraintes qui vont avec, qui sont pour moi moindres par rapport aux contraintes que j'aurais eues si j'étais restée dans ma vie, qui certes sont. En fait, tu sais, en yoga, on dit aussi, je sais que tu as fait ta formation de yoga, donc peut-être tu l'as entendu, mais dans les cours, le yoga, en fait, ça a l'étiquette bien-être, mais il faut savoir que les postures de yoga, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile et qui n'est pas forcément confortable. Et c'est du bien-être, mais qui va chercher en soi d'aller là où on est justement à la limite du confortable pour aller plus loin dans ses possibilités. Et on dit souvent, l'objectif, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Et pour moi, le voyage, c'est aussi ça, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Et c'est ce qu'on devrait toujours. Enfin, pour moi, c'est une philosophie de vie aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, quand je vis dans du confortable, j'adore. Mais au bout d'un moment, je m'ennuie. Et tu sais, il y a tout ce truc aussi entre vivre dans la passion où c'est une agitation permanente et tu peux aussi t'épuiser, mais ça procure énormément d'adrénaline. Et puis quand tu laisses la passion, petit à petit, tu vas à l'opposé, ce qui est l'ennui. Même si moi, je m'ennuie pas beaucoup, mais l'ennui, en tout cas, en termes de vie, quoi. Et quand tu arrives dans la phase ennui, la vie n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, finalement. Donc, faut toujours voyager entre l'un et l'autre, et moi j'ai choisi de voyager longtemps dans la passion, en tout cas, donc j'ai accepté les contraintes qui allaient avec et j'ai essayé de rendre mon voyage le plus confortable possible, malgré des fois des situations qui étaient très inconfortables. Et puis après, bon, il y a aussi une personnalité. Moi je suis quelqu'un qui adore le beau, j'aime
J'aime les choses extraordinaires, mais je trouve ça dans des choses simples, en fait. J'arrive à trouver l'extraordinaire dans la simplicité. Donc, pour moi, je veux dire, des moments extraordinaires, ça peut être aller partir 3 jours dans la jungle, dormir sous les étoiles, manger ce qu'on trouve autour d'un feu de camp. Enfin, pour moi, ça, c'est extraordinaire, en fait, bien plus que... c'est mon luxe. Après, j'aime aussi les choses luxueuses. Hein. J'ai eu par hasard, encore une fois, l'occasion de vivre une semaine. Je ne sais pas si tu connais cet hôtel à Singapour, le Marina Bay. Mm-hmm. Je ne connais pas, mais je vois. C'est un très grand hôtel à Singapour. On le voit souvent. Tu tapes des photos de Singapour et tout le temps là. Et en fait, avec un grand toit, il y a 4 piliers. Il est très, très haut. Et en fait, j'avais vu cette photo, moi, de l'hôtel à Singapour, et j'avais dit un jour, j'aimerais aller dans cet hôtel. Mais la nuit, elle est à 500 euros minimum la suite. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'occasion de vivre une semaine dans cet hôtel-là. C'est génial. Et c'est ça qui est génial, encore une fois, dans les voyages. C'est toujours l'inattendu parce que tu te retrouves dans des situations où tu vas avoir le minimum et tu vas être très heureuse. Tu vas te retrouver à l'opposé, tu vas être très heureuse. Et c'est juste ça la beauté du truc, quoi. Et c'est vrai, quand on le vit pas, moi souvent avant de voyager, j'écoutais des vidéos où des personnes parlaient un peu de voyage, encore il y en avait beaucoup moins à l'époque. Ça a l'air génial quand tu les écoutes, mais tant que tu l'as pas vécu, tu n'as pas j'ai l'impression que tu peux pas comprendre, en fait. C'est pas par arrogance que je dis ça. Imagine, quand tu l'écoutes après, tu te dis, ah oui, ça y est, là tu as le déclic et tu comprends ce que la personne voulait dire. Parce que c'est vraiment plus un ressenti que quelque chose que tu contrôles, justement. C'est ça qui est beau, c'est là où tu lâches tout et tu n'as pas le choix. C'est le propre de toute façon. C'est la même chose quand tu vas apprendre en lisant un livre et quand tu vas apprendre en expérimentant toi-même. Je veux dire, à un moment donné, tu as une forme de connaissance, puis après, tu as l'expérience. Et l'expérience, tu acquiers aussi une connaissance, mais je veux dire... Il n'y a que l'expérience qui fait que tu ressens dans ta chair, quoi. Donc, c'est ça. Et c'est vrai que, tu vois, pour en revenir, tu disais le thème de notre entretien, c'était aussi notamment dépasser la peur. Et comme je te disais, bon, moi, j'ai démarré donc, mon blog de voyage. Au départ, j'en avais un autre qui s'appelait Lost and Found, qui était plus un carnet de voyage, en fait. Et puis, celui que j'ai lancé, je l'avais fait justement à l'intention de ces femmes qui avaient peur de voyager seules à l'époque pour les accompagner. Il s'appelle comment d'ailleurs ? Le monde dans ma valise. Le monde dans ma valise. Nouveau blog qui date un petit peu maintenant parce que, je ne sais pas, il doit dater 2016 ou quelque chose comme ça. Et tu vois, c'est vrai que dans toutes les personnes avec qui j'ai discuté, etc., au final, ce n'est pas tant la peur qui bloque. Enfin, c'est plus, comme je te disais tout à l'heure, enfin oui, c'est une forme de peur, mais ça va être plus l'insécurité de ne pas savoir. C'est-à-dire, ouais. Par exemple, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, voilà, moi, ce que j'ai peur, comme je te disais, c'était lâcher leur travail, de le dire à leur famille, des choses comme ça, en fait. Et pas tant la peur en soi du voyage. On l'associe beaucoup à la peur du voyage, mais... finalement, le voyage, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. Et puis, comme je disais à ces filles-là, et je te l'ai dit, c'est ce que je me suis appliqué à moi-même dès le départ. Mais tu sais, les gens voient le voyage avec « tu pars loin », les distances, c'est ouf. Enfin, tu vois, tu es à Tahiti, tu es à 20 000 bornes. Bon, en même temps, Tahiti, tu n'as pas forcément envie de revenir très vite. Mais voilà, bon, tu vois, il peut toujours t'arriver des trucs. Mais tu peux avoir le blues un peu n'importe où dans le monde parce qu'après, tu peux te rendre compte aussi que partir, finalement, c'était pas ta solution. Moi, j'ai adoré, mais t'as des gens qui se disent « Ouais, j'essaye, ça fait 6 mois que je voyage et je kiffe pas, quoi. » Mais comme je disais à ces filles, mais au pire, c'est quoi le truc ? Ça te coûte un billet d'avion et au maximum, c'est 24 heures pour rentrer chez toi, quoi. C'est ça. Partout sur la planète avec les moyens de transport aujourd'hui, t'es à quoi, 24, 36 heures de chez toi, maxi, quoi. Donc moi en fait ma règle c'était d'avoir assez d'argent sur mon compte pour me racheter toujours un billet d'avion quoi qu'il arrive, sans avoir à me poser de questions et c'est tout, et que le jour où t'en as ras le bol, où tu te sens mal, tu rentres chez toi. Et moi d'ailleurs au bout de la première année je suis rentrée un an jour pour jour après être partie. C'était pas du tout décidé à l'avance, ça a été le hasard des billets d'avion. Mais en fait j'ai eu un moment où j'étais en Thaïlande et j'en avais marre,
Et en fait, ma famille me manquait. En plus, je les avais pas vus depuis 2 ans, vu que je vivais aux États-Unis avant. Bon, mes parents, mon père m'avait rejoint, ma mère aussi, dans différents lieux. Mes amis, tout ça, j'avais envie de rentrer. Je voyais, je tournais en rond, j'avais plus du tout d'envie. Je suis rentrée chez moi. J'ai pris un billet, je suis rentrée. Mais Bon, c'est après, ça au en bout de fait. 3 mois, j'ai envie de repartir, mais. Enfin, une fois que t'es piqué, je crois que les voyages, dans tous les cas, le plus difficile, encore une fois, c'est de mettre le pied à l'étrier. Mais comme tu dis, il y a des moments où tu en as juste marre, tu rentres, tu te ressources et après, bim, tu repars. Et les envies changent aussi. Donc, Et les envies. se laisser l'opportunité de, ben, en fait, ce que je fais, c'est pas définitif, je pars. Et puis, ben, okay. Moi, il y a une question, une règle que je m'impose maintenant dans ma vie pour la prise de décision, parce que d'ailleurs, je me suis retrouvée dans ce que tu disais, j'ai du mal avec les prises de décision. Quand j'ai du mal, c'est me dire, quelle est la pire chose qui puisse t'arriver? Et là, quand tu te poses cette question, tu te rends compte que bah, finalement, il y a toujours une solution à chaque chose et go, quoi, on y va. Et là, ça m'a vraiment, moi, personnellement, à aider à dépasser des peurs, quelles qu'elles soient. Hein. C'est pas forcément, je peux partir au bout du monde sans problème, ça me fait pas du tout peur, mais j'ai des choses très bêtes. Ici, allez, je le dis, mais par exemple, m'adresser à un garçon qui me plaît, alors moi, c'est un truc que je sais pas faire. C'est le truc qui me fait le plus peur au monde, tu vois, typiquement. Alors, j'ai toujours mes amis qui se moquent de moi parce que voilà, je suis partie en Inde comme ça, faire une retraite, etc. Mais c'est des choses bêtes. Mais quand tu te poses cette question, alors oui, la peur est là, mais tu dis, bah voilà, j'y vais. Et c'est. Enfin voilà, c'est on a tous notre curseur à Alors, défendre. enfin, moi, ça peut aussi résonner, ce que tu dis, mais encore une fois, pourtant, la démarche, c'est la même. C'est au fond, qu'est-ce qui peut t'arriver, tu vois, enfin, au pire. C'est exactement ça. Il n'y a Bon, pas mais de... c'est cool, t'arriver j'ai. à quelque chose de grave. Ou... Après, bon, il y a des décisions, oui, il y a des décisions qui impliquent beaucoup plus de choses. Mais tu vois, moi, je vois dans le voyage, en tout cas, je trouve qu'en plus, pour un contexte, on va dire, de gens qui vivent, en tout cas, en France ou dans un univers, je veux dire, où on ne manque de rien, on va dire, tu vois, enfin, où je veux dire, on a l'accès au voyage facilement, parce que selon ton passeport, tu n'as pas l'accès au voyage de la même façon. Il n'y a pas besoin de se poser trop trop de questions. Après, si on veut des précisions pour se rassurer, si on veut savoir des choses, si on veut mettre en place, avoir les bonnes assurances, la banque, oui, il y a plein de trucs à gérer. Mais dans l'absolu, on peut aussi partir sur un coup de tête et vaille qui vaille et tu trouves les solutions au fur et à mesure. Et comme je te dis, si ça ne plaît pas, tu rentres chez toi. Enfin, je veux dire, c'est un Exactement. peu quoi. Alors après, on va me dire, oui, tu as laissé ton chez toi, je suis d'accord, mais après... À moins d'être, t'as forcément de la famille ou des amis ou des connaissances. Enfin, je veux dire, on ne vit pas dans un monde où on est des êtres sociaux avec un minimum d'environnement social. Donc, moi, c'est ce que je dis aux gens. Ne pas compter. Après, c'est pas s'appuyer sur les autres pour faire sa vie, mais c'est tout simplement utiliser les ressources que tu as autour de toi. Hein, donc, C'est ça. et ça fait partie, ton environnement social, ça fait partie des ressources aussi. Et savoir. Savoir en fait tout ce qu'on a avant de se dire je fais ça et je me mets en super grand danger, quoi. C'est exactement ça. Et puis après, ça reste du matériel. C'est sûr que c'est embêtant de laisser si tu étais bien, mais tu te recrées un nid et c'est reparti. Ouais, et puis comme tu disais aussi tout à l'heure, enfin, la vie évolue, nos envies évoluent, les choses évoluent. Moi, je veux dire, au départ, quand je suis partie, je laissais mon appart que je trouvais mignon, j'adorais, j'avais plein de trucs dedans, je sais même plus quoi. Aujourd'hui, et de ce que j'avais dans cet appart, qu'est-ce qui me manque pour vivre ma vie? Rien. Enfin, je veux dire, j'ai même des valises que j'ai pas encore rapatriées. Ça fait 10 ans, tu vois. J'adore. Disparu il y a 2 ans. J'ai refait un tri parce que je voulais me l'envoyer par FedEx. Ça me coûtait 1 000 balles d'envoyer un carton où j'avais essentiellement des bouts de bois, des coquillages, des cartes postales. J'ai fait, je ferai rapatrier ça au fur et à mesure. Mais ouais, en fait, on se dit toujours, ah, mais ça, mais si, pour plus tard. En fait, on anticipe vachement la vie parce que je pense que c'est très culturel. On nous apprend à anticiper la vie, on nous apprend à vivre dans un monde de sécurité et c'est pas mal. Même moi, hein, je suis quelqu'un qui suis dans la sécurité aussi. En revanche, je pense qu'il y a des moments, justement, s'autoriser à vivre l'instant en se disant, bah, ça, j'ai envie de ça maintenant et j'ai le droit de le vivre maintenant. Même si ça paraît pas logique, même si ça paraît pas
être la chose raisonnable à faire ou la chose, on va dire, la plus sensée, bah, on a le droit. Tu vois, moi, par exemple, toutes les décisions que j'ai prises, quand je suis rentrée au bout d'un an, on m'a dit « Bon, bah, c'est bon, tu vas reprendre l'école hein, maintenant. Ça y est, tu as vécu ce que tu avais à vivre. En gros, tu as fini ton petit délire. Voilà quoi. Enfin, tu vois, tu vas reprendre l'école. » Il a fallu qu'on me dise ça. J'ai dit, en fait, non, je n'ai pas repris l'école. Déjà, je n'avais même pas envisagé. Là, j'en ai déjà marre d'être là. J'ai racheté un billet, je suis repartie. Et en fait, bon, alors effectivement, il y a des questions aussi d'économie. Moi, la première année, j'avais mis de l'argent de côté. Et il me restait de l'argent sur cet argent de côté. Je n'avais même pas tout dépensé parce que bah, quand on voyage, on peut vivre à moindre budget hein, sans être miséreux. Tu vois, c'est pareil. Les gens me disent, ah, mais tu te prives. Ben, en fait, non, je ne me prive pas. Mais ils ne se rendent pas compte qu'on n'a pas les mêmes dépenses en voyage que quand on est chez soi. Donc, toutes les dépenses qu'on a chez soi, on les a plus. Ça veut dire que l'argent qu'on utilise, c'est simplement pour se déplacer, pour manger et éventuellement se loger. Moi, sachant que j'ai été aussi logée plein de fois gratuitement, enfin, je veux dire, avec les rencontres, avec les couchsurfing, avec enfin, les, donc les sites de voyageurs. Il y a plein de façons. J'ai fait aussi du woofing ou des travailler chez les gens pour avoir un gîte et un couvert gratuit, etc. Donc, il y a plein de façons de voyager. Et moi, en fait, j'avais cherché une expérience. Donc, en fait, c'était pas, je ne l'ai même pas fait pour m'obliger. À chaque fois, c'était la curiosité. Comment vivent ces gens? Est-ce que moi, je peux vivre à leur rythme? J'avais envie de vivre comme eux. Et c'est parmi les meilleurs moments que j'ai vécu aussi. Moi, je veux dire, je suis restée dans une famille au Népal pendant pas si longtemps, mais je sais plus, une quinzaine de jours. Et j'allais travailler avec l'école avec le papa. Donc, dans la journée, je ne faisais même pas des visites. J'allais dans une école. Mais j'adorais me lever le matin. Pourtant, le matin, il faisait hyper froid. Il y avait un filet d'eau qui tombait. Autant dire, je ne pouvais même pas me laver les cheveux. Enfin, je pouvais à peine prendre une douche. Et encore, elle était gelée. Enfin, c'était... Mais j'adorais la vie qu'on avait. J'adorais partir sur la moto à 3 le matin. rentrer, jouer avec les gamins au badminton. Enfin, parler avec la grand-mère... qui filait son coton, t'avais devant la maison, t'avais des charrues qui étaient traînées par des gros bœufs, tu sais, enfin comme en Asie, comme il y a, enfin c'était une vie d'il y a 50 ans chez nous. Pour moi, en fait, à chaque fois que je pars, en fait, pour moi, j'ai l'impression que je sors de l'avion, je saute dans une histoire. Oui. La porte s'ouvre et c'est comme si je rentrais, tu sais, dans les petites boules à neige. J'ai toujours cette image des boules à neige que tu secoues avec les boules souvenirs là. Oui. J'ai l'impression de rentrer dans une nouvelle boule de neige. On va la secouer et on va voir ce qui va se passer. T'es imprégné des odeurs, des musiques, des sons, la chaleur ou du froid, parce que des fois, il fait froid. Mais, et en fait, tac, tu crées, t'as un nouvel univers qui est là et t'as une nouvelle histoire. Et pour moi, le voyage, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui me nourrit. C'est de, à chaque fois, tu construis une nouvelle histoire. À chaque fois, tu sais que ta vie va s'enrichir de quelque chose, que t'as quelque chose à rapporter de ça, que, ou à, moi, j'adore raconter, donc à raconter aussi, mais et pour moi ça n'a pas de prix, enfin je veux dire c'est une valeur inestimable. Alors après moi j'ai décidé dans ma vie de consacrer j'ai vendu mon appartement pour continuer de voyager, donc c'est aussi un choix hein. Donc j'ai laissé un peu une forme de sécurité pour faire ce que j'avais envie de faire. Et oui, on m'a dit justement ta retraite ou ah mais pourquoi tu reprends pas un peu ton travail et puis t'attends pas de repartir à la retraite, ah mais pourquoi. Et en fait, je disais aux gens, mais je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre. Donc déjà, si demain matin ma vie s'arrête, je préfère avoir fait ce que j'ai voulu maintenant que le planifier pour peut-être quand ça n'existera pas. Personne n'a la certitude de la longueur de sa vie. On sait quand on est, mais on ne sait pas quand on meurt. De ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, là maintenant, j'ai envie de voyager. Demain, si je suis à la retraite à 68 ans, est-ce que j'aurais envie de partir avec mon sac à dos, porter mon sac, galérer entre des avions? J'aurais peut-être envie de voyager autrement, ou simplement j'aurais envie de me poser sur une plage avec un livre, écrire, ou je sais pas, faire d'autres activités que j'aime faire aussi, mais qui nourrissent ma vie autrement, et peut-être plus de raconter mes histoires que de les vivre. Ça ne veut pas dire que la vie est derrière soi quand on est à la retraite, encore une fois, mais que les envies qu'on a à 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans ne sont pas les mêmes. Et que ça sert à rien de se dire ce que j'ai envie maintenant, je me le réserve pour dans 20 ans, j'aurai de la thune, j'aurai du temps. Je suis tellement en phase avec toi, mais la vie elle se vit maintenant, et ça malheureusement on l'oublie trop souvent quand on se fait happer par le flot de la vie, la routine, etc. En se disant, c'est illusoire en plus, parce que je veux dire,
C'est comme ça que tu as des gens qui se disent « Ah là là, en fait, quand j'étais jeune, j'aurais dû faire ça, j'aurais toujours eu envie d'aller là. » Et en fait, ils se retrouvent, alors avoir une forme de regret, mais ils n'ont pas forcément envie de le faire après, plus tard. Je veux dire, à la retraite, ça se trouve, ils sont grands-parents, ils ont envie de passer du temps avec leurs petits-enfants, C'est ils ça. n'ont pas envie de se barrer pendant 6 mois loin de leur famille. Et à l'inverse, j'ai rencontré en voyage des dames qui étaient à la retraite et qui sont parties à la retraite à 60 ans parce que elles avaient eu un divorce assez tardif, elles se retrouvaient seules, alors elles avaient leurs petits-enfants, donc de temps en temps, elles rentraient chez leurs enfants. Mais c'était un rêve, elles le vivaient à ce moment-là, et c'est très bien aussi. Je ne dis pas qu'il y a un temps. Juste que quand on prend des décisions, je trouve que des fois, on se met beaucoup de pression sur ce qu'on doit faire. Et qui dit qu'on doit le faire? Bon, c'est culturel, encore une fois, hein. Et ce qu'il faut faire, et on laisse beaucoup de côté, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et moi, en fait, j'ai vécu toute cette période avec ce que j'avais envie de faire. C'est ce que j'essaie encore de faire aujourd'hui avec aujourd'hui mon activité autour du yoga. Mais encore une fois, simple. Tout n'est pas simple et ça demande de prendre des décisions, de faire des choix, de laisser certaines choses. Et c'est pareil, je ne sais pas si ça sera, ça changera peut-être encore et encore. Pour moi, la vie, c'est une succession d'événements, une succession de vies et de moments et qu'on peut s'autoriser. Moi, si tu veux, tu vois, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis dit, de toute façon, moi, je ne me vois pas pendant 40 ans faire la même chose toute ma vie. Enfin, je veux dire, il y a tellement à explorer dans la vie, que ça soit en termes de, ça peut être voyage, mais ça peut être des expériences, tu vois, que je trouvais ça hyper réduit de me dire, tu vas vivre là, à faire tous les jours, te lever à la même heure pour aller faire la même chose. Après, il y a des gens à qui ça plaît, tant mieux si ça plaît, c'est tant mieux pour eux, parce que peut-être qu'on a tous des cerveaux différents aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire énormément de choses, apprendre, tout le temps apprendre. Donc, bah, forcément, j'ai besoin, en fait. J'ai besoin d'apprendre, de me nourrir, de rencontrer, de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a une personnalité comme ça, je trouve ça dommage de s'interdire ou de ne pas se lancer parce qu'on a peur. C'est Parce que ça. du coup, la peur ne disparaît pas avant qu'on soit parti, hein. Faut pas... Moi, j'ai eu peur même quand j'ai... Je pleurais dans la file de l'aéroport, et c'est ma copine qui m'avait accompagnée. J'ai vu la tête de l'avion dans lequel je suis montée. Je crois que c'était un avion Playmobil. Il y avait des hélices. J'ai dit, pourquoi cet avion? Enfin, c'était le hasard. Mais en plus, j'ai hyper peur de l'avion. Il faut savoir que ça a passé parce que maintenant, j'ai hyper peur de l'avion. Quand je suis dedans, je me dis, ah, on va se crasher. On va se crasher. Donc là, je fais du yoga, je fais de la méditation, tout ça. Mais j'avais même à l'époque, j'avais tout au début, parce que je n'étais pas à fond dans tout ça, j'avais ma boîte d'anxiolytique pour si je pétais un câble dans l'avion, quoi. Ah oui. Tu vois, Ah. donc. Donc, t'étais pas été déjà en partant, mais comme quoi, encore une fois, t'as peur, mais il faut le faire, quoi. Et je pense que, je sais pas ce que vous en pensez là dans les commentaires, dites-nous, mais le truc, c'est que là, moi, j'ai juste envie de reprendre un billet d'avion. Je sais pas si on peut, mais ça me donne énormément envie. Donc, je pense que là, t'as dû donner envie à beaucoup de personnes bah, allez, quoi, de se lancer. Alors, oui, il y a des difficultés, il y a des barrières, surtout en ce moment. Mais voilà, faut y aller quoi. Faut avoir peur, mais le faire quand même. Et effectivement, la peur partira en se mettant le pied à l'étrier quoi. Et comme tu disais, par rapport à la situation actuelle et le fait qu'on puisse moins voyager partout parce qu'on est un petit peu plus limité, encore une fois, toutes les sensations qu'on retrouve à travers le voyage, hein, comme on disait tout à l'heure, je ne vais pas tout renommer, mais il n'y a pas besoin de partir loin. Non, ça c'est vrai. Je veux dire, moi par exemple, bon, aujourd'hui même là c'est limité, mais je veux dire, aujourd'hui on peut encore voyager en Europe, on a quand même un territoire sur lequel on peut s'aventurer. Je veux dire, aller dans les pays de l'Est assez loin, vous allez voir qu'il y a de l'aventure à vivre. Non, c'est vrai, on a la chance de vivre en Europe, quoi. Donc, ça, Non, mais je veux dire, on a des territoires à explorer et des fois même, bon, après, moi je suis moins une, j'ai beaucoup voyagé en France en tant qu'enfant avec mes parents, etc., même des fois adulte, et j'aime beaucoup la France, mais après le fait que la culture, je la connaisse déjà, on va découvrir des univers, et ça m'intéresse, mais c'est différent, c'est un peu moins, c'est forcément un petit peu moins exotique, mais ça peut faire voyager aussi. Après, moi, tu vois, un des voyages que j'ai adoré, c'était au Maroc, dans le désert. Et le Maroc, c'est pas le bout du monde, quoi. Enfin, c'est à 3 heures de vol. Et c'était, pour le coup, c'était magique, quoi. Enfin, je veux dire, dormir toutes les nuits sous les étoiles, d'avoir ton feu tous les soirs, faire cuire ton pain dans ton feu.
Il n'y a pas de bruit, enfin, c'est la voie lactée complète. Enfin, tu passes tes journées, pour le coup, il n'y a pas de but, tu marches. Tu marches. Et moi, j'adorais aussi, c'est encore une autre expérience. Mais ouais, il y a plein de sortes de voyages à faire et je pense qu'il ne faut pas se. Pareil, se dire, bah voilà, là, je ne peux pas aller, moi, je voulais aller à tel endroit, donc je ne peux rien faire. Il y a toujours plein de possibles, quoi. On peut se créer. Et quand on se retrouve à un endroit alors qu'on avait décidé d'aller ailleurs, c'est qu'il y avait une bonne raison pour ça. Donc, Ça m'est arrivé plein de fois. c'est toujours ça. Donc, il faut se laisser porter et vraiment, bah, il faut y aller, quoi. On vous encourage vraiment à le faire. J'avais vu ton d'ailleurs là-dessus. C'était pas prévu ton voyage en Inde. Ah non, pas du tout. Non, justement, j'étais partie comme toi avec juste un billet d'avion. C'était la première fois que je le faisais d'ailleurs, sans retour. Et c'est un truc, bah, d'ailleurs, c'est un truc qui me faisait peur. Donc, moi, j'aime bien me lancer des défis tous les mois, faire un truc qui me fait peur. Et justement, je me suis retrouvée en Inde et ça a été un magnifique voyage et c'était complètement cohérent avec la quête du moment. Donc, voilà, ça m'a vraiment éveillée. Mais voilà, bref, c'est tout ça pour vous dire, allez-y. En tout cas, merci beaucoup, Caroline, pour cet échange. On a papoté pendant un bon moment, mais c'est tellement intéressant que je voulais. Donc j'espère que ça vous aura autant intéressé. C'était vraiment, moi ça me redonne des paillettes dans ma vie aussi. Donc c'était super cet échange. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir aussi toi à partager tout ça. Ouais, bah merci à toi. De toute façon, moi, à chaque fois que je raconte, j'aime beaucoup, ça me fait revivre des émotions. J'aime bien me reconnecter à ces émotions-là. Et tu vois, même moi, ça me redonne envie. Et voilà, quoi. C'est ça qui est Et beau, c'est le partage. aujourd'hui, je me suis stabilisée depuis peu de temps, hein, depuis Ouais. quelques mois. Et voilà, je partage toujours des voyages, ou je partage en tout cas beaucoup de réflexions de voyage aussi, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est plus Oui. envie à travers le voyage plutôt que le voyage, enfin le voyage, les choses matérielles. Donc voilà. Donc si jamais j'ai toujours mon Instagram, le monde dans ma valise. Il y a une chaîne YouTube qui est un peu moins active en ce moment, forcément, mais Oui. qui le monde, tout est le monde dans ma valise. Donc voilà. Si Donc jamais. voilà, si vous voulez retrouver Caroline, on la suit sur son Instagram, sa chaîne YouTube et son Ouais. Facebook, Le Monde dans ma valise. En tout cas, merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous laissez vos petits commentaires et on continue l'échange dans les commentaires si vous avez des questions à faire à Caroline. Je vais y arriver, je suis plus de fois. À Caroline, par rapport à des interrogations que vous avez sur les voyages ou quoi que ce soit, eh bien allez-y, mettez vos commentaires. En tout cas, c'était top de faire cette vidéo. Ouais, je J'ai adoré répondrai avec plaisir. la faire. Je jetterai un coup d'œil à la vidéo. Je répondrai si jamais il y a des questions, volontiers. Top, bah, merci en tout cas Caroline. Et Merci. bah, voilà, on a changé un petit peu d'angle aujourd'hui avec cette vidéo, mais c'est toujours lié aux langues. Vous voyez que voilà, parler une langue, ça vous permettra de faire de magnifiques voyages. Et encore une fois, on disait que la connexion avec les gens était hyper importante. Et souvent, je vois des personnes, enfin, j'ai fait l'erreur aussi, c'est de partir avant de connaître la langue. Et je trouve qu'on perd vraiment de l'authenticité du voyage et des expériences. Donc, moi, c'est ce que je recommande tout le temps, c'est de parler la langue avant d'y aller et de se créer en fait une immersion linguistique à la maison pour déjà s'habituer et pouvoir mieux vivre son voyage derrière. Donc voilà, ma C'est une vision. bonne recommandation, ouais. Ouais, tu valides ça. Oui. Enfin, moi, j'ai appris par immersion, mais par la force de choses, puisque j'étais aux États-Unis, comme je disais, quand j'ai appris l'anglais. Ouais. Mais c'est vrai que l'anglais m'a beaucoup aidée, comme tu disais, pour connecter avec les gens et puis avoir des vrais échanges. Sinon, il y a toujours un échange qui est sur les sourires. On trouve toujours le moyen d'échanger. C'est La sûr. gestuelle, on parle beaucoup avec les gestes, etc. Mais en revanche, on peut aller plus loin, on peut comprendre plus de choses. C'est parfois frustrant de ne pas parler la langue. C'est Et ça. moi, tu vois, comme je te l'ai dit, je parlais anglais en Amérique du Sud, j'ai appris l'espagnol. Bon, j'étais en immersion aussi pour le coup. Mais ça m'a pris quelques mois. Donc, c'est intéressant d'avoir déjà des bases et de pouvoir découvrir pleinement l'environnement dans lequel tu arrives, en fait. C'est ça. Donc, je comprends complètement ta façon d'enseigner la langue, pour moi, est celle que je partage aussi, celle de l'immersion et celle de Oui, l'écoute. des choses, ouais. De la nécessité et de travailler beaucoup l'oreille Mmh. avant d'aller sur la suite, quoi. C'est ça. OK. Bon, Merci à toi en tout cas de m'avoir ouvert la porte de ton marathon. la porte du marathon, bah c'est ça sera un marathon de voyage. Pour, j'espère, les personnes qui ont suivi cette vidéo. Et on espère vraiment que ça aura créé, envoyé la petite graine, semé la petite graine parmi pas mal d'entre vous. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup, Caroline. Et on se dit à bientôt. Bientôt. Ciao! Salut.